Si t'es mal à l'aise en séduction, j'imagine que tu t'es déjà retrouvé dans cette situation. Tu vas parler à une fille, ça peut être sur un court moment du type soirée, ou ça peut être sur un moment un petit peu plus long, une activité, et tu vas parler régulièrement à cette fille. Au final, tu te dis « Ok, je tente ma chance ». Et t'essaies de te rapprocher, ou t'essaies de lui prendre la main, ou t'essaies de montrer vraiment ton intérêt, que t'as envie de sortir avec cette fille. Et à ce moment-là, au moment où t'as montré une intention claire, peu importe la façon dont t'as montré cette intention, elle te dit « Écoute, je préfère qu'on reste amis. Écoute, je te vois plus comme un frère. » Ou « Écoute, j'ai pas envie de gâcher notre amitié. » Bref, peu importe les mots exacts, mais ce que ça signifie, c'est « Je ne te vois pas comme un partenaire potentiel. » J'imagine que tu vois ce que c'est quelque chose qui n'est pas très agréable à entendre, qui n'est pas très agréable à vivre. Alors ici dans cette vidéo, on va voir comment maximiser les probabilités de ne pas tomber en friendzone. Tout simplement parce qu'une fois que tu es dans cette friendzone, c'est très très compliqué d'en sortir. C'est possible, mais c'est très compliqué. Et dans tous les cas, je pense que vraiment, il vaut mieux adopter cette règle. C'est qu'une fois que tu es tombé dans cette friendzone, une fois que tu es tombé dans cette case « Je ne te vois pas comme un partenaire potentiel », je pense que c'est quand même plus intéressant d'une façon générale de se dire « Ok, je laisse tomber », tout simplement parce que si tu l'as vécu, tu sais ce que c'est. Moi, je l'ai vécu plusieurs fois, c'est-à-dire que pendant mon adolescence, pendant le début, enfin la fin de mon adolescence, ouais, enfin vraiment fin de l'adolescence et le début de ma vie d'adulte, je me suis retrouvé plusieurs fois dans ces situations où j'étais attiré ou même j'étais amoureux de certaines filles qui me voyaient comme un ami. Et tu vois, je continuais quand même à les voir et je continuais quand même à espérer, à me dire que peut-être à un moment donné, elles allaient changer leur vision, que peut-être à un moment donné, il allait se passer quelque chose, etc., etc. Et au final, c'est beaucoup de souffrance, c'est beaucoup de désillusion, c'est beaucoup voilà, d'émotions désagréables. Et vraiment, je pense que c'est pas quelque chose qui, ce chemin-là n'est pas quelque chose d'intéressant. Et même si tu réussis à démarrer une relation, et moi ça m'est déjà arrivé de réussir à quand même démarrer une relation, quand c'est dans cette situation-là, ça démarre de toute façon sur de mauvaises bases. Alors peut-être qu'il y a des gens qui ont des expériences contraires, mais objectivement, je pense pas que ce soit la majorité. Donc moi, tout simplement, ce que je te propose, c'est de ne pas rentrer dans cette friend zone, c'est-à-dire quand tu vois une fille qui t'intéresse, quand tu as envie d'aller plus loin avec une fille, de sortir avec une fille, de faire en sorte justement d'envoyer des signaux qui vont montrer que tu n'es pas un ami potentiel, que tu es un partenaire potentiel. Première clé, c'est tout simplement d'exploser la friend zone dès le départ. C'est-à-dire dès le départ, de montrer ton intérêt, de montrer un intérêt clair. Alors, il faut le faire suivant ta personnalité, il faut le faire suivant le lieu aussi, suivant la dynamique du lieu, mais de vraiment montrer un intérêt clair dès le départ. C'est pour ça que moi, je suis un grand fan des approches directes. Donc, tu vois, quand tu vas parler à une fille, on peut dire qu'il y a deux catégories d'approches, les approches indirectes et les approches directes. Alors, pour caricaturer, mais pour donner des exemples très clairs, l'approche indirecte, c'est « Ah, c'est sympa ici, hein, c'est sympa ce bar » ou « Ah ouais, il est sympa ce café » ou « Qu'est-ce que tu bois ?» Ouais, ça, c'est l'approche indirecte. C'est l'approche où tu poses une question, tu demandes quelque chose, mais voilà, c'est pas clair, ton intention n'est pas claire. L'approche directe, c'est « Écoute, je t'ai vu et je pouvais pas décrocher mon regard de toi, alors je me suis dit « Ok, il faut que je vienne te parler ». Ça, c'est direct. Tu marques ton intention dès le départ. Moi, je suis beaucoup plus fan des approches directes parce qu'au moins, il n'y a pas d'ambiguïté, et au moins, ça explose dès le départ la friendzone. Deuxième point, c'est la notion de rapidité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'une fille n'a pas besoin de te voir 5 fois, 10 fois, 15 fois pour savoir si elle a envie de sortir avec toi. C'est pas vrai, ça fonctionne pas comme ça. Une fille qui est intéressée, elle est intéressée. Alors ça veut pas dire, il peut effectivement y avoir des filles qui vont pas sortir avec toi dès la première fois qu'elles te voient, mais voilà, globalement, une fois, deux fois, si une fille est intéressée, elle est intéressée. Si ça se passe pas, s'il y a quelque chose qui, s'il y a quelque chose qui fonctionne pas, c'est pas qu'elle a besoin de plus de temps, c'est tout simplement qu'elle n'est pas intéressée. Donc, il faut toujours garder en tête cette notion de rapidité. Un jeu de séduction, c'est quelque chose qui se joue rapidement. Quelqu'un qui est intéressé, une fille qui est intéressée, elle est intéressée rapidement. Si au bout d'un rendez-vous, deux rendez-vous, elle n'est pas intéressée, elle n'est pas intéressée et puis ça s'arrête là. Et deuxième chose, garde aussi toujours en tête que plus il y a du temps avant que vous deveniez un couple, c'est-à-dire que vous sortiez ensemble, plus c'est compliqué de maintenir l'attention, plus tu peux partir dans des conversations qui vont être plus ennuyeuses, etc., etc. Une fois que vous êtes un couple, c'est différent, la dynamique est différente. Mais avant, plus tu laisses du temps et plus c'est difficile à gérer. Troisièmement, la notion d'attraction.
Donc ça, vraiment, toujours bien faire attention à cette notion d'attraction. Et donc la notion d'attraction, elle vient de deux choses. C'est la notion de valeur sexuelle et la notion ensuite de maintenir l'attraction dans les conversations. Je t'invite à regarder encore une fois la vidéo, c'est la vidéo d'avant-hier, je sais plus, où je parlais justement de l'attraction dans les conversations. Toujours bien garder en tête que ce qui fait la différence entre une relation amicale et une relation de couple, c'est cette notion justement d'attraction. Donc toujours bien construire l'attraction, toujours essayer de bien maintenir l'attention. Et l'attraction, pardon. Et ensuite, la quatrième et dernière notion, c'est la notion de lead, donc de leadership quelque part. Et donc leadership, pas au sens manager, managerial du terme, mais leadership dans le sens où quand tu vas voir quelqu'un, enfin quand tu vas voir une fille pour la première fois ou quand tu vas voir une fille pour ton premier rendez-vous, ton deuxième rendez-vous, peu importe, d'être toujours dans cette notion où c'est toi qui mène les choses, c'est toi qui impulse le rythme. Ok, alors ça veut pas dire que tu ne demandes pas ce qu'elle veut faire, mais ça veut dire que c'est toi qui gères les choses. Voilà, on va dans cet endroit-là, on va faire ça. Ok, je te propose de faire ça. En tout cas, tes forces de proposition et tes forces de leadership, tu te reposes pas sur la personne, c'est toi qui assumes, tu te reposes pas sur la fille en question, c'est toi qui assumes le lead. Vraiment, ça c'est quelque chose aussi d'important. C'est vraiment aussi dans cette notion d'attraction. Voilà, donc je t'invite à mettre ça en place et aussi sortir un petit peu de cette idée qui peut être transmise parfois par la société que bah, quand on rencontre une fille qui nous plaît, on commence par faire, voilà, avoir une relation amicale et éventuellement ensuite, on peut commencer une relation de couple. C'est rarement une bonne idée parce que à moins que tu sois vraiment, enfin voilà, pour certains mecs ça peut fonctionner parce que bah voilà, ils ont beaucoup d'expérience, ils sont très à l'aise en séduction et donc dans ce cas-là, bah ça peut fonctionner parce qu'en fait c'est une relation amicale qui est plutôt une relation amicale ambiguë et ce genre de mecs savent bien ce qu'ils font. Mais voilà, quand t'es plutôt mal à l'aise en séduction, c'est en général une mauvaise idée parce que tu vas te retrouver dans la case ami et une fois que t'es dans la case ami, une fois que t'es dans la case non partenaire potentiel, c'est quasiment impossible d'en sortir. En tout cas, c'est très difficile d'en sortir. Voilà, c'est possible, mais ça reste quand même hautement aléatoire. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura aidé. Prends en main activement ta capacité à séduire tout simplement et tu verras que, voilà, en te concentrant là-dessus, en te concentrant beaucoup plus sur ta capacité à séduire, sur ta capacité à trouver une relation qui te plaît, voilà, et que tu mets ton énergie là-dessus. Si aujourd'hui, ben, t'es avec certaines filles, ben, t'éprouves ce sentiment, c'est-à-dire que y a des filles qui te plaisent, mais c'est pas forcément réciproque, ben, je t'invite à laisser un petit peu ça de côté, à te concentrer vraiment sur le développement de cette capacité. Si tu veux aller plus loin, j'ai une formation que j'ai mise en ligne il y a deux jours et qui est valable à son prix de lancement jusque demain qui s'appelle Conversation séduisante. Et le but de cette formation, c'est justement te donner un plan précis à partir du moment où tu vas parler à une fille que tu ne connais pas. Parce que voilà, tu sais, il y a toujours cette, enfin, c'est vraiment cette optique de se dire ok, je fais l'effort, je plonge un petit peu dans cette piscine froide d'aller parler à une fille que je ne connais pas. Et après, qu'est-ce que je dis? Comment je fais pour construire de l'attraction? Comment je fais pour que la conversation soit pas ennuyeuse? Comment je fais pour mener petit à petit justement à la relation de couple? Et ben, cette formation va justement t'expliquer exactement tout ça. Ça s'appelle Conversation séduisante. Tu as tous les détails dans le premier lien dans la description. Il y a le prix de lancement jusque demain soir. Je te laisse regarder ça et je te dis à tout de suite dans la formation. À demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action. Chaque jour compte.